Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte, réaction, ça vient de tomber du côté de Marvel Studios à l'occasion du Super Bowl, le nouveau trailer de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, hein, c'est le titre français. Ça sort donc dès le 19 mars prochain sur Disney+, et le nouveau trailer dure 2 minutes, du coup découvrons-le et on en parle juste après. So, who would like to start? Mr. Barnes, why does Sam aggravate you? 15 seconds to drop! So what's our plan? Hey. À la capitaine! Great. C'est sympa comme apparition de logo, ça. Superheroes cannot be allowed to exist. I have no intention to leave my work unfinished. The world's upside down right now. Where do we start? Buck, I have a plan. Oh yeah? What is it? Is you ready? Ah, Sharon. Here we go again, huh? Hello, girl, kick your ass. See? That wasn't so hard. Are you ready? Hey. Is you ready? Ready? Okay. You say you ready. What are you doing? Whole squad ready. Are you having a staring contest? Are you ready? Ready? Ça va être des gosses. Just blink, sweet Jesus. I mean, how old are you? Ok. En vrai, pas un trailer qui révèle énormément de choses. Alors, faudrait peut-être que je le revoie évidemment off. Là, encore une fois, je suis en one shot. En plus, il est assez tard. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de grosses révélations qui soient faites. On a eu la première apparition de Parap, parce que je crois dans le premier TV, enfin, le premier trailer qui avait été dévoilé il y a maintenant quelques temps. Il n'y avait pas eu de Sharon Carter qui apparaissait. Là, on la voit dans le truc. On voit aussi Baron Zemo. Donc, ça, c'est toujours cool. Bon, ça, on l'avait déjà vu. Visiblement, qui en veut toujours aux super-héros. Hein, c'est clairement le speech de la série. J'aime beaucoup le logo avec le fond du Captain. Enfin, avec le logo du Captain, là. Enfin, le bouclier plutôt. Alors là, j'ai pas le nom de la ville, je vous avoue, mais ça me rappelle beaucoup la scène en Black Panther, vous savez, avec ce côté très très coloré aussi. Donc voilà, j'avoue que c'est pas la série qui m'a hypé le plus de celles qui ont été annoncées. Je veux dire, à côté, il y avait WandaVision qui m'a hypé beaucoup plus, etc. Mais j'avoue qu'il y a quand même un truc assez intéressant avec le côté peut-être un peu espionnage, un peu action, qui nous rappelle un peu Captain aussi. D'ailleurs, on voit à un moment une grande affiche de Captain, etc. Sûrement un moment où il rend hommage à ce dernier qui nous a quittés, peut-être, je sais pas, enfin... Je suppose, en tout cas, on le voit là avec le bouclier, d'ailleurs. Donc, pas de grosse révélation de ce que je vois là. Mais en tout cas, ça donne envie de voir ce que ça va donner, évidemment. Encore une fois, c'est pas la série qui me hype le plus. C'est pas vraiment ce qui me rassure le plus. Mais je pense que ça aura un ton assez intéressant. Rappelons un peu Captain America avec pas mal d'espionnage, d'action, etc. Donc, ça peut être aussi très intéressant. Voilà, Sharon, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt, qui se bat plutôt bien. Hein. Franchement, elle garde la main là pour le coup. Là, on revoit un petit peu US Agent aussi. Ça, on l'avait déjà vu, hein, je crois, dans le trailer précédent. Donc pareil, sachant que normalement la série va pas mal voyager aussi, contrairement par exemple à WandaVision qui devrait pas beaucoup bouger, on verra la suite, mais là en l'occurrence en tout cas ça a l'air quand même de pas mal voyager, donc c'est ce qui peut être aussi intéressant. Donc à voir, le duo aussi a l'air de pas mal, ils vont pas mal se vanner quand on le voit au début et on le voit avec la scène finale où ils se font un combat de regard, quoi. Tu sens que ça va être deux gros gamins. Bon, n'hésitez pas en commentaire à me faire vos retours, vous, sur ce trailer-là. J'ai assez hâte de la découvrir, évidemment, le 19 mars prochain. En plus, c'est pas si longtemps que ça, au final. 6 épisodes de mémoire sont prévus, après avoir, parce qu'il y a toujours des surprises de ce côté-là, mais normalement, c'est 6 épisodes. Bref, rendez-vous le 19 mars, évidemment, pour déjà découvrir cet épisode-là, et aussi, évidemment, la suite de 100% Marvel, qui a lieu, je le rappelle, tous les vendredis, dès 21h, pour décortiquer à la fois les informations de la semaine côté Marvel, mais également l'épisode ou le film qui sera sorti pendant la semaine, et là, en l'occurrence, c'est WandaVision. Bref, à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à lâcher d'ailleurs le petit pouce bleu, j'ai oublié de le préciser, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.